Mardi Doc. C'est pour ce mois de décembre. Le Mardi Doc sera en collaboration avec le festival En Lisant. Et nous sommes très heureux d'avoir avec nous Véronique et Fabienne Canor, qui sont réalisatrices du film Mon Cahier, dont nous allons discuter. La professeure de littérature Darlene Alexis et le responsable du festival En Lisant, Eliezer Gerismith. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que tous les films sont disponibles sur la plateforme Eventir et que nous avons la chance de pouvoir collaborer avec ces différentes institutions qui feront le cross-posting sur leurs différentes plateformes, Focal, Mouem, le Festival Quatre Chemins, Chocarilla, Ticket Magazine, Loop Haïti, Star TV, le Centre Open Haïti, le Centre d'art, Top Haïti, l'association KIT, le camp de débat Focal, le Bibliothèque Tap Ouest, le Centre culturel Catherine Denham, la Bibliothèque Monique Calixte. Nous avons la chance de pouvoir travailler avec Mouem TV et nous voulons remercier aussi nos chargés de communication et notre équipe technique. Voilà, donc après cette longue liste pour introduire ce Mardi Doc, je laisse la parole à Eliezer qui va présenter le festival En Lisant. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là, de partager ce moment. Je ne vais pas essayer de faire la publicité du festival, je ne pense pas que c'est le moment, mais en tout cas, je pense qu'il est très important de souligner le contexte dans lequel on travaille. C'est un contexte assez difficile et c'est très enrichissant pour les artistes, très enrichissant dans le sens qu'on est obligé de réfléchir à tous les niveaux, réfléchir, pas que réfléchir sur la création, c'est ça, le fait de créer en Haïti dans des contextes politiques assez précaires. Donc, on ne réfléchit pas uniquement sur les créations, sur les sujets qu'on est en train d'aborder, mais on réfléchit aussi sur comment régler tous les problèmes, comment faire venir les comédiens dans les lieux de répétition. Je dis lieux de répétition parce qu'il y a presque plus de salles en Haïti, donc c'est un contexte assez particulier. Il y a des événements qui sont programmés dans un espace et qu'on est obligé de, à un moment donné, parce qu'il y a un problème de déplacer. Donc, c'est une situation assez difficile. Mais par contre, on est très heureux de travailler dans ce contexte et ça renforce vraiment l'intérêt qu'on a. Ça explique l'intérêt qu'on a pour ce qu'on fait en tant que métier, en tant que comédien, en tant qu'artiste. Et puisque le festival cette année travaille sur le thème de la migration, et ça, c'est à partir de cette édition du festival, c'est à partir de ce thème et à partir de tous les échanges, les choix des artistes, les choix des spectacles, les choix des comédiens que je comprends qu'il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de comédiens, beaucoup d'artistes de théâtre qui sont partis et qui ne sont plus en Haïti. Donc, voilà, le festival sera lancé, je ne sais pas si je suis encore là, ça va? Ok, le festival sera lancé lundi prochain, le 13, on a une projection cinématographique, on a travaillé avec Réginal Lucin Junior sur un documentaire autour du thème de la migration, donc le coup d'envoi sera lancé lundi prochain et on va arriver jusqu'au 19 décembre prochain. Donc voilà, c'est un peu ça, le Festival de théâtre en Lisant cette année, 6e édition. Et d'ailleurs, je dois remercier la Focal qui nous soutient depuis le début de cette belle aventure. Merci beaucoup, Eliezer. Et justement, donc là, on est en pleine dans la présentation de ce film dont on va discuter avec grand plaisir. Et pour introduire donc le film Notre Cahier, en septembre 2013, Fabienne et Véronique Canor sillonnent la Martinique avec le cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire à la main. Au hasard de la route, elle croise des gens à qui elle donne à lire une ou deux pages, trois ou quatre paragraphes, jusqu'à épuisement total du stock. Tous sont situés par un rapport de migration qui les lie à leur île. Au final, les 64 pages durent 92 minutes. Donc, c'est ce document exceptionnel qu'elle projette sur les façades de maisons, les murs des villes, comme un tag audiovisuel. Ce film explore l'héritage de ce texte fondamental à travers les voix des Martiniquais qui, le lisant chacun à leur façon, lui font jusqu'à aujourd'hui écho. Donc, merci Fabienne et Véronique Canor d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous avoir.
Bonjour, Yélé à tout le monde. Nous aussi, on est très, très heureux d'être là pour ce festival. Bonjour. Oui, alors, je vais présenter. Magnifique. Désolée, il y aura des petits moments d'écho. Bon, c'est la magie du direct, comme on dit. Des petits problèmes de connexion. Je voulais aussi présenter Darlene Alexis, qui est une professeure de littérature et qui va un peu peut-être replacer ce texte en Haïti aujourd'hui et faire des parallèles avec le film. Mais avant, je voulais vous demander... Pourquoi ce texte? Pourquoi en 2013 en Martinique? D'où est venue cette idée de faire ce documentaire maintenant? On va parler à deux voix. Donc en fait, il est vrai qu'en 2013, on sait tous, en tout cas les lecteurs et les lectrices de Césaire, on s'est tous posé la question: comment faire pour fêter ce centenaire de la naissance de ce grand bonhomme qui hante encore bien le couloir des bibliothèques, les salles, les maisons, les rues, les consciences des peuples noirs? Comment on va faire pour retrouver ce texte, le ressusciter malgré tout, parce qu'on a parlé de hanter, ce texte hante mais n'est pas toujours lu, et parfois mal compris, parfois compris de travers et parfois lu trop rapidement. Et on s'est dit, eh bien, 2013, comment on va faire? Comment on va faire? Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de coller au texte, de retourner au texte, plutôt que de raconter ce que nous faisons déjà dans un autre documentaire, la genèse du texte, qui est un best-seller, finalement, d'Aimé Césaire? Eh bien, pourquoi ne pas retrouver le souffle, le premier souffle de Césaire, en redonnant la parole à celles et ceux dont il parle dans le texte, de celles et ceux à qui il parle dans ce texte. Donc voilà, on s'est retrouvés en 2013 pour cet autre projet. Et quand il dit, quand Césaire dit dans son cahier « Ma voix sera la bouche de ceux qui n'ont pas de voix », ce documentaire qui n'est pas vraiment un documentaire parce que c'est vraiment le texte que l'on restitue en images et encore sur les murs, les murs de la ville, comme un murmure qui, tu as dit, hanté, mais comme un murmure qui hante et qui parcourt et qui est là, qui irrigue toute l'âme en martiniquaise, même si beaucoup de Martiniquais ne l'auraient pas lu, supposons-nous. Mais c'est vraiment ça, redonner, mettre en bouche, véritablement en bouche, le cahier de celui qui disait que sa voix serait la voix de ceux qui n'ont point de bouche. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2013, les Martiniquais, grâce à Césaire, ont retrouvé leur langue, peut-être. Ce qui était étonnant, c'est qu'en fait, nous, on partait donc de cette idée que peut-être que ce texte-là n'avait pas été reçu complètement, en tout cas intégré par les populations. Et en fait, on s'est dit, on ne va pas, nous, être à la bouche de celles et ceux à qui il s'adresse, mais on va aller les voir pour leur demander de lire, lis-moi un petit bout de cahier d'un retour au pays natal, lis-moi à ta manière un petit bout de cahier d'un retour au pays natal. Alors l'idée était évidemment d'exclure tous les intellectuels et tous les artistes, parce qu'on voulait vraiment être auprès du peuple. La commerçante, comment elle lit ça? Le marchand de poissons, qu'est-ce qu'il entend? Et etc., la pacotilleuse, qu'est-ce qu'elle a à dire quand elle a deux pages comme ça? Et qu'il faut se réapproprier un texte qui parle d'elle, mais qu'elle a peut-être jamais lu en direct. En effet, ça crée des moments d'émotion extrêmement inattendus. Mais avant d'aller un peu plus loin dans cette démarche, je voulais poser la question à Darlene Alexis. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Véronique et Fabienne Canor. Heureuse d'être avec vous. Oui, donc avant de parler du film, peut-être ta relation à toi avec le cahier et bon, comment toi tu as reçu le film aussi. Le cahier, alors commençons par le film, parce que ça c'est... Vous savez, quand j'ai passé quelques années à la Martinique et qu'on a étudié le cahier dans notre pays natal de Césaire, avec le professeur Roger Thompson,
il répétait tout le temps, mais il ne comprend pas pourquoi les gens, quand ils parlent du cahier, disent « oui, mais Césaire, c'est difficile ». Bon, bien entendu, étudiante, on n'osait pas trop contredire le professeur Thompson, mais en visionnant le film de Fabienne et Véronica Noir, je me suis rendu compte à quel point il avait raison. Il y a certains textes vraiment qui doivent être dits de la bouche des gens qui sont concernés au premier chef, des gens que le poète a saisis, des gens que le poète a décidé de mettre en scène et dans sa poésie, des gens pour qui il met sa voix à leur disposition, à leur service. Et donc, regarder ce film a permis finalement de me dire, mais effectivement, ce n'est pas plus compliqué que ça, parce que chacun l'a lu avec sa voix, son souffle, ses propres émotions. Et vraiment, moi, j'ai été scotchée du début à la fin. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film-là. Et bon, pour Haïti et le rapport, bon, bien entendu, certains enseignants travaillent des extraits du cahier de retour au pays natal dans les salles de classe, surtout depuis qu'on a remanié le programme du nouveau secondaire. Mais c'est surtout à l'université, dans les cours de littérature francophone, que Césaire est le plus présent. Mais bon, ça, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. On reviendra là-dessus. Et ton Césaire, ton cahier personnel à toi? C'est beaucoup de passages que je retrouve souvent dans des clins d'œil dans la littérature haïtienne contemporaine. Et dernièrement, dans Guillaume et Nathalie, c'était Guillaume qui se plaignait de cette foule qui n'osait pas être une foule. Et quand on relit le cahier, il y a toujours ce passage sur cette foule étrangement bavarde et muette, sur cette foule qui passe à côté d'elle-même. Et donc, c'est des tas de clins d'œil que les auteurs nous font dans la littérature contemporaine haïtienne et qui, à chaque fois, nous dit « Ah, Césaire est là, Césaire est présent ». Et ça, c'est toujours un plaisir de pouvoir détecter ces moments-là. Mais nous allons passer le premier extrait. Et pour moi, c'est... Pour nous, je ne sais pas, c'est... Ces jours-ci, je n'arrive pas à voir la mer et ça m'a fait tellement bien de voir cet extrait de mer. Donc, j'ai choisi de manière très subjective ce premier extrait. Voici que je suis venu. De nouveau, cette vie clopinante devant moi. Non pas cette vie, cette mort sans sens ni piété. Cette mort où la grandeur pitueusement échoue. L'éclatante petitesse de cette mort qui clopine de petitesse en petitesse, s'est pelletée de petite avidité sur le conquistador, s'est pelletée de petits larbins sur le grand sauvage, s'est pelletée de petites âmes sur le Caraïbe aux trois âmes, et toutes ces morts futiles, absurdités sous l'éclaboussement de ma conscience ouverte. Tragique futilité éclairée de cette seule noctiluque et moi seul, brusque scène de ce petit matin, où fait le beau l'apocalypse des monstres, puis chaviré se tait, chaude élection de cendres, de wind et d'affaissement. Encore une objection, une seule, mais de grâce, une seule. Je n'ai pas le droit de calculer la vie en mon empan fuligineux, de me réduire à ce petit rien ellipsoïdal qui tremble à quatre doigts au-dessus de la ligne. Moi, homme, laisse bouleverser la création que je me comprenne entre latitude et longitude. Au bout du petit matin, la malsoif et l'entêté désir. Me voici divisé des oasis fraîches de la fraternité. Ce rien pudique frise des chardes dures. Cet horizon trop sûr tressaille comme un geôlier. Ton dernier triomphe, corbeau tenace de la trahison.
Merci. Alors, Fabienne et Véronique, cet extrait est très différent des autres parce qu'on sent qu'il a voulu transmettre cette lecture à travers son corps. Et je voulais savoir comment ça s'est passé, ce morceau-là, parce qu'on va avoir d'autres qui sont moins chorégraphiés, on pourrait dire. Ben, c'était très intéressant parce qu'on voulait justement, parce que, comme le disait Véronique, on ne voulait pas faire appel à des lecteurs professionnels, des personnes justement qui mettent leur corps en espace, les mots en scène. Et parce que ce monsieur, c'est son métier, c'est l'un de ses métiers de fabriquer le tambour et de danser. Là, quand il fait une montée au tambour, lorsqu'il danse comme ça un pas de bêlée, c'est vraiment son corps, c'est son corps à lui. C'est pas son corps colonisé, c'est pas son corps post-colonisé, c'est un corps qui lui appartient vraiment. Et ce corps-là, eh bien, on voulait lui redonner la parole parce que c'est ainsi que ce monsieur est. On ne voulait pas trafiquer la parole de Césaire et encore plus, on ne voulait pas trafiquer la parole des personnes qui ont accepté de lire le texte. Et c'est ce naturel, je crois vraiment, qu'on cherchait à chaque fois. Je te rappelle, quand on a rencontré, par exemple, la dame dans le supermarché, on voulait qu'elle fasse ses courses tout en lisant. Voilà, qu'elle pousse son caddie, qu'elle soit vraiment dans une action universelle, mais typiquement ancrée en Martinique. Et ça, c'était très important pour nous d'aller là où les gens étaient, de ne pas les ramener sur un territoire, ou sur un territoire fabriqué, comme on le fait en fiction, parfois en documentaire. Là, c'était vraiment d'être sur leur terrain de jeu à eux, leur terrain de travail, leur terrain d'attente. Et puis, à partir de là, nous aussi, on avait une démarche aussi particulière parce qu'on regardait les gens, puis on choisissait, en fonction de ce qu'on voyait d'eux, de ce qu'on percevait d'eux, un morceau du cahier qu'on leur remettait pour que ce morceau-là soit en écho aussi avec ce qu'ils étaient. Et ce qui est intéressant aussi, Véro, dans cet extrait-là, c'est qu'on a choisi, parce que, alors, bien sûr, ce monsieur fait le tambour, fabrique les tambours, danse pour le tambour, entend le tambour toute la sainte journée. Mais ce qui était important pour nous, c'était de retrouver la mer. Parce que c'est là d'où nous venons et c'est là où nous avons été, beaucoup d'entre nous, avant de devenir haïtiens, martiniquais, guadeloupéens, nous avons été engloutis par la mer. Nous avons été broyés dans la mer, nous avons été laminés par la mer, par ce qu'il y avait dans la mer et par ceux qui organisait la traite négrière. Et donc, il y a ce souffle de la mer, une mer qui est à la fois généreuse, elle donne les poissons, mais à la fois cruelle aussi. Hein, ce rapport à la mer que nous avons, nous, les descendants des Africains transbordés. Donc, c'est important de filmer cette séquence dans la mer et d'entendre aussi la voix du tambour, puisque ce tambour, c'est la reconnexion aux ancêtres, c'est la reconnexion au pays d'avant que nous avons perdu. Et c'est vrai que cette montée au tambour venant de la mer est extrêmement symbolique pour nous. C'est vraiment, on part des profondeurs et on va finalement vers une lumière où on retourne vers une lumière. Cette Martinique, qui serait un morceau d'Afrique exbordée, transbordée, c'était important de la faire renaître par quelque chose qui soit mystique ou qui soit symbolique de l'âme martiniquaise, antillaise ou enfin, caribéenne, en fait, que peut être la peau du tambour. On parle de peau à ce moment-là, on parle de la peau des corps, la peau du tambour. C'est aussi ça, quand on frappe sur nos peaux, quel son va résonner finalement? Qu'est-ce qu'on va entendre? Et en général, le tambour, ce qu'il nous fait entendre, c'est cette connexion à l'Afrique. C'est cette connexion à notre caribéanité, à notre ancestralité, à quelque chose qui n'a pas été perdu, quelque chose que l'on doit retrouver, qui est quelque part, là, sur ces terres-là, dans nos corps, et que le tambour, la voix du tambour, nous aiderait à reconquérir, à retrouver, et dont on pourrait se réhabiller, en fait. C'est un petit peu ça aussi l'idée de cette séquence, cette montée vers le tambour, qui est aussi une prolongation de la mer avec ce quai interminable. Il y a tout ça aussi, il y a comment le contexte extérieur, le décor, on va dire, dans lequel les gens évoluent, en quoi il est significatif des mots de Césaire et des corps des gens qui portent les mots de Césaire. Et puis, on le sait aussi, Césaire, c'est le monsieur qui écrit, le monsieur qui pense vraiment loin, loin, qui est visionnaire, mais c'est aussi papa Césaire. Césaire, du temps de son règne, en tant que maire de Fort-de-France et député aussi, eh bien, il était toujours celui que les gens allaient voir pour dire « Papa Césaire, est-ce que tu n'as pas l'argent
pour reconstruire le toit parce qu'il y a eu un cyclone. Ah, ma fenêtre, elle ferme mal. Ah, mon enfant, il ne va pas à l'école. Ah, ma femme, elle a mal au rein. Et donc, c'est vraiment le papa, pourvoyeur aussi de soins, et qui aussi avait pensé la présence, la représence du tambour dans nos cultures, au point où c'est lui, par exemple, qui a mis en place le CERMAC, par exemple, des institutions qui aujourd'hui sont vraiment des poumons. En fait, voilà, le CERMAC, c'est le service municipal d'action culturelle de la ville de Fort-de-France. Et à travers ce CERMAC qu'il a monté en fait, de ses mains, de sa volonté, c'était un désir pour lui de mettre la culture au centre de l'identité, vraiment au centre des identités, et qu'il pensait fermement que c'est à travers la culture, à travers l'art, que nous allions reconquérir notre dignité et éventuellement notre liberté. Alors, il y a quelque chose d'intéressant quand Fabienne a parlé là, tout à l'heure, quand elle a dit Monsieur Papa Césaire en tant que maire de Fort-de-France. Et quand tu l'as dit, j'ai entendu en tant que maire, M-E-R, comme on est en train de parler de la mère. Donc, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est intéressant. Et c'est toujours, là, derrière la parole, il y a la parole, et cette parole génère la pensée aussi, comme ça, à bon pourpoint. Et effectivement, Césaire est la mère de Fort-de-France. Et le maire de Fort-de-France aussi est la mère de la Martinique. Parce que c'est Césaire qui va relier, on peut le voir comme ça, c'est Césaire qui va relier la Martinique au reste du monde et qui va identifier, comme Bob Marley a pu identifier la Jamaïque au reste du monde, avec Césaire qui est internationalement connu. On a fait un autre documentaire aussi sur lequel il y a un retour au pays natal, on l'a tourné en Croatie. Le texte est traduit en croate et il est étudié par les Croates. Il est traduit en de multiples langues. Quand tu disais qu'il était un best-seller, oui, Césaire, c'est la mère, c'est le maire de Fort-de-France et la mère de la Martinique. C'est lui qui la ceinture de ses bras virils, de ses mots virils, c'est lui qui la ceinture et peut-être l'empêche de sombrer. Oui, c'est le maire et la mère. C'est la maman. La maman. C'est magnifique. Alors, je voulais demander à Adeline, ces relations entre la mère, le tambour, la peau, comment est-ce que tu peux nous parler de ces réactions, enfin, pardon, de ces relations-là avec nous en Haïti, toujours dans le cadre du cahier. Bon, c'est toujours... Bon, ce que Véronique et Fabienne Canon ont fait dans le film, ça nous parle forcément. Mais par rapport à Césaire, et ça, comme je disais précédemment, par rapport à ce travail-là qu'elles ont réalisé sur le cahier, c'est vrai qu'en Haïti, on n'est pas encore à ce stade-là dans nos rapports avec cette œuvre-là de Césaire. Moi, j'assiste à beaucoup de lectures scéniques du cahier de retour au pays natal ici en Haïti, mais toujours dans des cadres très, très institutionnels. Et récemment, nous avons eu à la Focale, avant que COVID et pays l'autre, une lecture de Jean-René Lemoine du cahier de retour au pays natal. Et je crois que c'était dans le cadre du festival Quatre Chemins ou du festival Nizan, l'un des deux. Donc, on a eu une lecture scénique. Et le tambour est très présent dans la poésie haïtienne, dans l'art haïtien. La mer, pour la poésie, est quand même un peu moins sain. Quoique, de plus en plus, les auteurs qui ont connu l'exil, leur itinérance, dans certains... j'insiste, parce que ce n'est pas toujours l'exil, et j'aime bien ce que dit Jean-Claude Charles. Et dans la poésie de ces auteurs-là, la mer occupe une place particulière, surtout lorsqu'il faut parler de l'exil, lorsqu'il faut parler des boat people, récemment dans la poésie de D'Alembert, par rapport à la Méditerranée, la question des migrants. Donc, dans la poésie haïtienne, on retrouve principalement la montagne, les villes, et de plus en plus la mer. Mais nous, en Haïti, on a quand même un rapport assez traumatisant à la mer, avec une nouvelle génération, ça change un peu. Hein? On a peur de la mer. Je pense qu'il y a tout un grand travail que l'école fera et quand on instituera les cours de natation. Mais c'est vrai que plus les gens habitent sur les côtes, plus ils ont un rapport apaisé à la mer. Mais pour l'ensemble du pays, la mer symbolise quand même... Bon, la détente quand même, parce qu'on a les journées à la plage et tout. Mais ce n'est pas encore ce rapport apaisé avec ces espaces-là. Mais pour en rester au film, moi, j'ai bien aimé les différents aspects de la mer qu'on y retrouve. Parce qu'au tout début,
c'est ce monsieur avec le tambour et sur cette débarcadère, sans bateau, sans rien d'autre à l'horizon que l'eau. Alors que les autres images de la mer que nous allons avoir, c'est avec des bateaux, c'est avec des pêcheurs. Et j'aime bien le plan sur l'ancre qu'on est en train de remonter, alors que l'un des intervenants parle de Toussaint Louverture fermée au fort de Joux. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est la chaîne du prisonnier. Et puis en même temps, c'est cette ancre qui nous ancre dans cette mer qui a été au départ notre tombeau, mais qui a été également la matrice première, comme le dit Glissant dans le discours entier. Et donc tout ça, fait par des professionnels, bon, on suit, on lit les œuvres, et on a déjà regardé les autres films de Fabienne Canon en particulier, donc oui, ça ne nous étonne pas qu'il y ait vraiment ce mariage d'éléments, et puis c'est un mariage qui se tient et qui donne un rendu très, très beau. Merci. Eliezer, je ne sais pas si tu es encore là. Je suis là. Bonjour Eliezer. Donc c'était Jean-René Lemoine, c'était bien le festival en lisant. Oui, justement, en 2018. Oui. En 2018. Oui. Et ce choix-là en 2018, c'était par rapport à une décision de Jean-René ou c'était vous qui l'aviez choisi? On lui avait proposé de faire une lecture et il nous a dit que cette partition, c'est le mot qu'il avait utilisé, que cette partition l'a marqué depuis très longtemps et qu'il voulait absolument travailler ce texte. Et il nous avait proposé, dans le cadre du festival, une lecture en ouverture. Le premier jour du festival, il avait fait la lecture et c'était une lecture assez magistrale. 60 minutes de lecture et c'était extraordinaire. Mais vraiment, je prends plaisir à saluer le travail de Jean-René. Quoi. Chapeau, ça a marqué tout le monde et il y avait beaucoup de gens à la focale. 130 personnes, 130 places. Et donc, je me souviens de cette soirée et c'était très, très bien. Merci beaucoup. On va passer le deuxième extrait et après, on en discutera. S'envoler plus haut que le frisson, plus haut que les sorcières verdantes étoiles, l'exaltation féroce de forêt et de montagne déracinées à l'heure où nul n'y pense, les îles liées pour mille ans. Voum, oh, pour que revienne le temps de promission et l'oiseau qui savait mon nom et la femme qui avait mille noms de fontaines de soleil et de pleurs. Et ses cheveux d'alvin et ses pas mes climats et ses yeux mes saisons et les jours sans nuisance et les nuits sans offense et les étoiles de confidence et le vent de connivence. Mais qui tourne ma voix, qui écorche ma voix, me fouant dans la gorge mille crocs de bambou, mille pieux d'oussin, ces trois sales bouts du monde, sales bouts de petit matin, ces trois sales haines, ces trois rois de l'insulte et cent ans de coups de fouet, ces trois cent ans de ma patience, cent ans de mes soins juste à ne pas mourir. Oh! Nous chantons les fleurs vénéneuses éclatantes dans des prairies furibondes, les ciels d'amour coupés d'embolies, les matins épileptiques, le blanc embrasement des sables abyssaux, les descentes d'épaves dans les nuits foudroyées d'odeurs fauves. Qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, je trouve ça magnifique, le sourire de cette femme. C'est pour moi, je trouve qu'il y a une connexion presque organique qui s'est faite à ce moment-là et vous le montrez, mais encore plus que l'extrait, je crois que c'est ça dit tout de votre démarche, ce passage. Exactement, et c'était vraiment, parce qu'il y a le texte, comme on disait tout à l'heure, il y a le texte de Sévère et il y a les gens, et c'est comment, et là on assiste en direct à la jubilation de cette femme d'avoir lu Sévère, d'avoir été Sévère, d'avoir été le mot de Sévère, et ça pour dans la démarche documentaire dans laquelle nous sommes, on reste très proche des gens quand on est avec eux, et ce qui nous intéresse c'est ces petits moments
où le verbe n'existe plus. Il n'y a plus que l'émotion, le corps, la présence. Cette femme qui ne sait même plus où elle en est, elle sort du cadre, elle revient, elle rit, elle se demande « mais qu'est-ce qu'il y a ?» Elle est vraiment, elle a été, quand on dit que bon, bah, Sévère, il transporte les gens, là, on assiste en direct à une élévation de conscience, presque. On pourrait dire ça, mais de corps. Et c'était extraordinaire. Et dans d'autres extraits aussi, on montre la personne aussi dans ce qu'elle est, dans son rapport au texte. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire la connexion. Et quand on arrive à trouver aussi des gens qui sont avec une générosité, parce qu'on n'a pas de casting hein, dans ce truc-là. On n'a pas dit, ah non, la dame, elle n'est pas bien, on va voir une autre dame. Non, celle-ci, c'est oh, peut-être que quelqu'un d'autre. Il y a une seule personne qui dit un extrait, il y a une seule tentative. Il y en a pas, c'est pas, on n'a pas fait un choix entre celui qui lirait le mieux. Mais c'était intéressant d'ailleurs, parce que je ne sais pas si tu te souviens, le jour où on a filmé dans le Nord, donc on est allé dans le Nord, c'était le Nord prêcheur, et en fait, on avait rendez-vous avec une dame qui confectionne des sorbets, sorbet coco, sorbet goyave, toutes sortes de sorbets. Et donc, cette femme qui est mère d'enfants, qui est travailleuse, vraiment une travailleuse qui n'a pas beaucoup le temps, hein, puisqu'elle sillonne la Martinique pour vendre ses sorbets. Et donc, lorsque nous lui avons demandé, « Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez lire un extrait ?» Mais cette dame ne se sentait pas légitime. Donc, c'est intéressant le rapport à la production écrite. On lui aurait dit « racontez-nous une histoire », elle en était parfaitement capable, elle se sentait capable, mais soudain d'ouvrir le livre qui a été publié et quel auteur, Aimé Césaire, qu'on l'ait lu ou pas lu, on sait que ce monsieur a été tout ce qu'il a été en fait. Et le fait simplement d'ouvrir le cahier, ça, elle ne voyait pas comment elle pouvait s'octroyer ce droit. Et c'est ça aussi qu'on viole, en fait, dans cette démarche-là, c'est qu'on dit non, tout le monde est capable de donner les mots de Césaire, hein, parce que ce sont nos mots, en fait. Ils ont beau être parfois enrobés de mots compliqués, des vieux mots, on ne les trouve même pas dans le dictionnaire français d'aujourd'hui, mais ce n'est pas ça, c'est que, comme tu disais, derrière le verbe, il y a l'émotion, et il y a l'émotion de Césaire, il y a sa colère. Il y a cette colère de jeune homme, puisqu'il n'écrit pas ça, effectivement, lorsqu'il est adulte. Il écrit ça quand il est tout jeune homme. Quand il a la vingtaine, il écrit ça. Donc, c'est vraiment un cri. Hein. C'est pour ça qu'on a gardé cette idée que c'était un cri, mais c'est un cri qui est partagé. Et c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas de travail, on n'a pas dirigé. Mais cette femme, pour revenir à cette femme-là, avec ses sorbets, il a fallu au moins qu'elle s'approprie le texte, mais pendant au moins une heure, sinon peut-être deux heures, on sentait que c'était physique, sa réappropriation du texte. Elle était là, elle se battait avec ce français qui nous a été imposé, qui a été mis dans les bouches, Damas en parle très bien, ce français de France qui n'était pas le nôtre, et cette femme-là qui bataille avec le français et qui, au bout du compte, il y a la jubilation, mais il y a la fierté d'avoir dompté, d'avoir cassé, d'avoir maîtrisé, d'avoir violé cette langue. Et ça, c'est intéressant aussi, cette fierté qu'on redonne aussi à travers les mots de Césaire. Et cette femme qui s'appelle Lydie, elle était en plus extraordinaire à ce titre-là, et aussi elle nous a enseigné autre chose sur le cahier, encore une autre chose, c'est-à-dire quand elle se battait aussi avec les mots de Césaire, mais avec cette langue française, mais aussi avec l'outil livre. L'outil livre, le texte, ce n'est pas quelque chose qu'elle maîtrise spécialement. Et donc, la seule façon pour elle de pouvoir restituer le passage qu'elle devait faire, c'était de l'apprendre en même temps. Donc, pendant qu'elle est en train de se battre avec le texte pour le lire, pour essayer de le donner le mieux possible, elle était aussi en train de le mémoriser. Et quand on a pu enfin tourner, c'était de tête qu'elle a dit son extrait. Elle a dit de tête, c'est une commerçante, dont on sait que les commerçants, déjà, eux, c'est la mémoire qui marche, et là, ils comptent très, très vite. Elle, c'est comme ça qu'elle a pu donner ce texte-là, c'est en pouvant le restituer à l'oral, bout par bout, morceau par morceau. Mais ce n'était pas en le lisant, comme d'autres l'ont fait, c'était vraiment, elle le lit, elle apprend, elle le redit, et ensuite elle efface caméra et elle lit. Et c'était pour elle, et là c'est comme ça qu'on voit que ce texte de Césaire, c'est un texte à l'oral, c'est un texte qui doit se mettre debout, qui doit non même pas être lu, mais qui doit être ressenti, qui doit être vécu, qui doit être
vraiment dans les mémoires. Et c'est comme si elle convoquait, elle reconvoquait quelque chose qu'elle connaissait déjà, et à travers sa voix, elle redonne l'oralité de, et sa démarche finalement de restitution, elle redonne l'oralité de ce texte-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand tu parles d'oralité, c'est que je me rappelle la commerçante à Fort-de-France qui répète plusieurs fois « apocalyptique ». Ouais. Et elle questionne, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas seulement lecteurs, ça va au-delà, ils sont acteurs, ils sont agissants. Parce qu'en fait, les personnes qui lisent ne lisent pas, en fait, elles questionnent. Et c'est là que le direct intervient. On n'est pas dans une mise en scène avec un acteur qui va s'approprier le texte, qui a peut-être déjà questionné le texte chez lui. Là, on est là des personnes, des femmes, des hommes qui regardent le mot et qui, ou le reprenant à l'oreille, se disent « mais enfin, mais même pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot, mais comment apocalyptique, nous, ah bon, mais l'île, ah bon, notre histoire ?» Et presque, ils pourraient même trouver d'autres mots. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant, on pourrait dire « ah non, moi, apocalyptique, non ». Mais parce que je me rappelle, cette commerçante avait dit « mais pourquoi il dit ça ?» Ouais. Mais presque, mais pourquoi il n'a pas choisi un autre mot en fait ? Parce que c'est pas que apocalyptique. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a une critique. Hein ? Tandis que les personnes disent ou lisent le texte, ils le critiquent parce qu'ils ont le droit. Et c'est ça, c'est aussi redonner ce droit à la critique, un texte canonique. Hein, oui. Personne n'ose, hein, comme l'a dit tout à l'heure la jeune femme qui s'exprimait. On le met c'est très institutionnel. Quand on sait comme un monument. Donc on ne veut pas les branler, on ne veut pas les coroner, on ne veut pas gratter trop. Hein. On dit oh, Césaire, c'est formidable. Kaiser Europe et Natal, c'est important. En fait, à l'emporte-pièce. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand les peuples disent ah bon, ce texte-là, ça devient en fait aussi un petit texte, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que ça oui. ne vaut pas plus qu'un bon sorbet coco, finalement. Mais une question pour vous par rapport à ce point-là. Quand la commerçante au bord de la plage lit Césaire, il y a les autres qui sont là et qui l'écoutent, et en particulier le monsieur Polo qui va lire par la suite. Alors, ma question c'était, est-ce que vous aviez choisi de donner le texte aux deux, ou est-ce que lui s'est retrouvé pris dans la dynamique et qu'il a voulu lire? Parce que ça revient souvent, il y a Robert dans le bar aussi, il lit et on voit une autre personne se pencher par-dessus son épaule, regarder dans le livre aussi. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dû changer votre projet parce qu'il s'est trouvé des gens sur place à vouloir participer aussi? Alors en fait, le projet, c'est un projet vivant. Donc quand on est sur la route, on était toutes les deux avec Fabienne, on n'était que toutes les deux et on était dans le vivant de ce qui se passait. On n'était pas dans le « non, on a décidé d'être avec cette femme-là et on exclut le monde autour. » Au contraire, on aime bien quand il y a des irruptions du réel, des hasards, des interventions impromptues. Ça, c'est des choses qu'on aime vraiment bien parce que là, on est en train de capter la vie, de la capturer, de la regarder, d'être prise par elle. Et donc, dans cette séquence avec Lydie et Polo, justement, cette femme qui bataillait avec ce texte, il y avait Polo, le Rasta, qui était juste à côté et qui la regardait en souriant et en rigolant. Et il lui disait « Mais non, mais t'as qu'à juste lire ce qui est écrit. » Il lui donnait des conseils. Mais il était sur le bord de la route. Et quand enfin, la dame, elle a dit à sa manière, c'est-à-dire à l'oral, le texte, nous, on s'est tourné vers Polo, on dit « Ah, mais Polo, tu fais ton malin, là. » « C'est ton tour, là. » « Voilà. Non, essaye-toi, essaye. » Et on était extrêmement surprise parce que lui, c'était une seule prise. Il a pris le texte et l'extrait qu'on lui a proposé, qui était juste à la suite, et il l'a lu comme s'il était destiné à lire cet extrait-là. C'était extraordinaire, ce moment d'échange, de partage et de connexion chacun à sa manière à ce texte-là. Mais effectivement, ça c'est du vivant. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Autant la dame et Lydie, on allait jusqu'au nord, on savait qu'il y avait cette dame-là et qu'on allait aller la rencontrer. Mais on ne savait pas, déjà si elle allait accepter, d'une part, et on ne savait pas non plus ce qui allait se passer tout autour d'elle. Et la démarche documentaire, c'est aussi celle-ci. On a une vision, en tant qu'artiste, on a une vision de ce qu'on voudrait. On a un fantasme de ce qu'on voudrait. Et soudain, il y a la réalité qui apparaît et qui soudain est beaucoup plus forte, plus puissante et qui écrase tout sur son passage. À nous, après, de la mettre en valeur, de la mettre en scène,
voilà, de la mettre en scène, de mettre cette parole-là. Il y a Polo qui est là, bon, on fait quand même rentrer dans le champ, on change l'axe de la caméra, on va essayer de trouver des moyens pour que ce que l'on, nous, en tant que personne humaine, on va ressentir sur le tournage, on puisse le restituer à l'image. Et ça, cette séquence-là, elle est vraiment typique de ça. Mais après, quand vous dites ces gens qui entrent dans le réel, on a aussi tourné en Haïti, sur la place... Sur la place principale, j'ai oublié son nom, avec Oleg Marron. Champ de Mars. Oui, Champ de Mars. Avec, c'était tout autre chose, hein, ça n'avait rien à voir avec Césaire, quoique les gens ont cité du Césaire. Mais donc, c'était un tout autre dispositif. Et les gens écoutaient les réactions de celui qui était interviewé et intervenaient. La dame t'a demandé ça, mais il n'a pas répondu à la question. Et finalement, il y a le théâtre dans le théâtre aussi. Et ça, c'est vraiment, vraiment typique aussi de nos peuples. Quand tu es dans l'espace public est aussi leur espace. Il se passe quelque chose, pour une personne, tout le monde est concerné. On n'est pas dans une indifférence de ce qui se passe tout autour. Si on crève, dans un pneu crève, les automobilistes s'arrêtent. C'est ceci, c'est cela. Tout le monde s'octroie le droit d'intervenir sur un réel auquel ils n'ont pas été invités, mais auxquels ils appartiennent. Et nous, notre démarche, Fabienne et moi, ça va être de saisir ce mouvement-là et de ne pas être excluante à ce moment-là, de ne pas dire non, on est en train de faire notre film, on a décidé ça. Non, c'est pas notre démarche documentaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle, même quand on peut penser à l'économie de ce film, c'est sincèrement l'un de nos meilleurs tournages, sinon le meilleur en fait, parce que nous étions libres. Et ça, c'est important, c'est vrai, et ça, c'est important parce que lorsque vous engagez, par exemple, un producteur et que vous commenciez à travailler en équipe, imaginez la même chose mais avec 6 personnes autour de vous. Ça crée un cadre très statique, très rigide en fait. Alors que là, on était capable toutes les deux, éventuellement avec un preneur de son, de sillonner la ville, parce que c'est Véronique qui filme, elle réalise, mais elle filme aussi, et parfois même elle prend du son, et moi je réalise aussi quand même, on co-réalise ce film-là, et je suis aussi parfois la répétitrice, puisqu'on répète avec les intervenants qui veulent, qui exigent, beaucoup ont exigé un temps de répétition, parce que justement, ils savaient, parce qu'on est sur deux outils, on est sur l'écrit, mais on est aussi sur la caméra. Donc, il n'était pas question pour eux, sachant que c'est un espace public, que la télévision est un espace public, il n'était pas question pour eux de rater un mot, de blesser. Oui, il y a un des personnages qui vous dit d'ailleurs, j'ai fait une faute. Voilà. Et ça, c'est absolument intéressant. Alors, effectivement, ça... On questionne aussi le rapport d'hypercorrection, on le sait, à la langue française, mais aussi il y a au-delà de ça, donc cette hypercorrection qui n'est pas toujours positive, qui justement qu'il y a des relents aussi de « il faut bien parler la langue française, bien l'articuler », ça peut être insupportable ça. Mais l'autre côté des choses, c'est qu'il y a vraiment l'idée de self-representation, il y a vraiment ça, il y a l'idée de comment moi, je décide… De dire le mot. Et si j'estime que j'ai fait une faute, alors j'ai fait une faute, je le dis, et voire même je le reprends. Donc, j'étais la répétitrice à ce niveau-là. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on était donc avec les personnes et toutes les deux. Donc, du coup, c'était libre. Du coup, on pouvait rester 4 heures avec Polo, par exemple, à parler du monde. On pouvait décider, après le Nord, d'aller dans le Sud. Et on arrivait à avoir cette liberté-là que Césaire peut-être avait eue quand il a écrit ce texte, qu'il n'a pas écrit sur le territoire, mais en dehors du territoire, inspiré par le territoire. Mais il était jeune, c'était son premier texte, et donc il n'avait pas, vous avez l'idée du « bon alors je vais publier, qu'est-ce que je vais publier, à quel moment je vais publier, quel éditeur ?» Il était dans une liberté, dans une sauvagerie créatrice. Et on avait cette même possibilité, nous, qui avions pourtant réalisé d'autres films avant, qui avons réalisé d'autres films aussi après, on avait cette flexibilité-là, quoi. C'était vraiment, et on pouvait nous aussi être vraiment dans un retour au naturel. Et ça, c'était important pour nous parce que ce film-là nous a changé aussi. J'imagine. On va passer le dernier extrait et je trouve que ça rentre vraiment bien dans ce que vous disiez par rapport à la jeunesse, au retour au naturel aussi. Et après, on en discutera.
Et elle est debout, la négraille. La négraille assise inattendument debout. Debout dans la cale, debout dans la cabine, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Debout et non point pauvre folle dans sa liberté et son dénuement maritime, girant en la dérive parfaite. Et la voici, plus inattendument debout. Debout dans les cordages, debout à la barre, debout à la boussole, debout à la carte, debout sous les étoiles, debout et libre. Et le navire lustral s'avançait un pas vide sur les eaux écroulées, et maintenant pourrissent nos flots d'ignominie, par la mer cliquetante de midi, par le soleil bourgeonnant de minuit. Écoute, épervier qui tient les clés de l'Orient par le jour des armées, par le jet de pierre de l'appui, écoute, squale qui veille sur l'Occident. Écoutez, chien blanc du Nord, serpent noir du Midi, qui a achevé le ceinturon du ciel. Il y a encore une mer à traverser. Oh, encore une mer à traverser. Pour que j'invente mes poumons, pour que le prince se taise, pour que la reine me baise. Encore un vieillard à assassiner, un fou à délivrer. Pour que mon âme luise, aboie, aboie, aboie. Et que ulule la chouette, mon bel ange curieux. Le maître des rires, le maître du silence formidable, le maître de l'espoir et du désespoir, le maître de la paresse, le maître des danses, c'est moi. Et pour ce Seigneur, les hommes aux coups frêles, reçoit et perçoit, fatal calme triangulaire. Alors là, il y a tellement d'émotions dans cet extrait. Je crois que aussi, ce qui est arrivé, c'est que on voit ce film-là maintenant, sachant la révolte qu'il y a eu récemment en Martinique et en Guadeloupe. Et ce passage-là, où il est tellement habité, il dit « Seigneur », il lève les yeux vers le ciel. On sent que ce texte le traverse et j'aurais bien aimé que vous nous parliez de cette rencontre-là. Alors, cette rencontre-là, donc, c'est Renaud, celui-ci qui est du côté, il à ce moment-là, il était au Gros-Morne, qui est une commune vers le centre-nord de la Martinique. Et il est dans une action un petit peu culturelle, mais en même temps dans une action agriculturelle. Donc il a ses bœufs, il a son coutelas, ses bottes. Et donc quand on l'a rencontré, on a été séduit par déjà sa stature physique. Ça nous a appelé ses cheveux, ses gros cheveux. Dans une Martinique où l'aliénation est quand même rampante, et il y a, même s'il y a de plus en plus maintenant de libération par rapport à un certain carcan qui a été imposé, qui a été même auto-imposé, il y avait chez lui quelque chose de l'ordre de « je vais couper des têtes, j'y vais, je vais me réapproprier quelque chose ». Et on s'est dit « toi là, tu vas dire cette partie-là ». On trouvait qu'il avait vraiment quelque chose de connecté à l'au-delà. Et après, effectivement, il y a une partie intuitive dans ce que l'on fait, puisque ce n'est pas un casting, il y avait aussi une partie intuitive. On était, comme Fabienne le disait tout à l'heure, relativement libre de se dire, tiens, et si on allait là? Et si on trouvait un coiffeur? Et si ceci, et si cela? Et au hasard de la drive, on tombe sur un tel avec qui on discute et qui dit oui, ça c'est moi et je veux lire aussi. Et c'est vrai que c'était, on était au niveau de toutes les personnes qu'on a rencontrées, personne n'a dit ah non, ça ne m'intéresse pas. Tout le monde a été soit un petit peu parfois un peu frileux, est-ce que je serai à la hauteur, et d'autres ont dit non, je suis le texte. Et donc ce monsieur Renaud, oui, il était le texte et on a été happé par sa dynamique, par sa façon d'être, par son naturel. Et en même temps, c'est comme s'il était au-dessus même du texte et que c'était le texte qu'il avait constitué. C'était vraiment une très belle rencontre avec Renaud aussi. Et c'est intéressant, là, ce que tu dis, c'est vrai que les personnes, très peu de personnes ont dit non, ont été frileuses. Et peut-être, Véro, que le public qui a été peut-être le moins réceptif au projet,
c'est quand nous sommes allés dans l'université Schœlcher. Oui, on est allé au campus rencontrer des étudiants, donc c'est intéressant. Parce que les commerçants, la vendeuse de poissons, la vendeuse de sorbets, etc., de toute évidence, elles voulaient, ces personnes-là voulaient le faire, elles avaient le désir du texte. Hein. C'est un texte aussi, c'est pour ça que ce n'est pas seulement un best-seller, mais c'est un texte profondément vivant qui fait envie, qui donne des désirs dans la tête, hein, des désirs d'indépendance, évidemment, mais aussi d'autres désirs, le désir de vivre, le désir de partir, hein, quand Césaire dit partir, partir, c'est-à-dire partir, s'échapper d'une situation qui serait la situation coloniale. Donc, il donne des désirs vraiment de conscience et d'action, en fait. Hein. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que nous, on s'attendait, en allant sur le campus, où tant d'étudiantes et d'étudiants ont éventuellement approché le texte d'une manière ou d'une autre, on s'attendait à avoir tout de suite un oui unanime. Oui, oui, évidemment que non seulement nous connaissons bien ce texte, mais nous allons nous réapproprier le texte et choisir même les passages de lecture. Mais pas du tout. Il y avait une sorte, et ça, je crois que ça nous a un petit peu questionné, oui, parce que nous, ce texte-là, il fait partie d'un cursus qu'on a, un cursus émotionnel et puis aussi éducatif. Parce qu'on a, dans nos études qu'on a eu la chance de faire, on a pu rencontrer ce texte. Et puis après, femme plus mûre, on s'est réapproprié ce texte-là. Mais on pensait qu'en rencontrant les personnes qui pourraient être nos enfants, ils avaient la vingtaine, on pensait qu'eux-mêmes allaient vraiment nous donner même des versions différentes, hein, de ces questions-là, qui n'ont toujours pas été résolues. Hein. La question de l'indépendance n'a toujours pas été résolue, on le voit actuellement encore en ce moment même où on parle. Et donc, on pensait qu'il n'y aurait pas de barrage, justement, qu'on allait pouvoir faire peuple aussi, qu'on allait pouvoir retrouver cette Martinique, peut-être qui n'a pas su faire peuple, mais qui peut-être aujourd'hui veut savoir faire peuple. Et en fait, eh bien, il y a plutôt eu des refus ou des indifférences. Ouais. En fait, le pire, c'était lorsqu'on rencontrait des jeunes, voilà. Ah non, 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 mais non, j'ai pas le temps. Ou non, j'ai pas envie. Ah non, ouais, non, je connais, mais non. Ou alors non, je connais, oui, Césaire, oui, mais un peu comme s'ils étaient tellement peut-être pleins d'un Césaire, mais qu'ils n'avaient pour autant pas senti dans leur chair et qu'en fait, cette question-là, ça les concernait pas. Et je crois que c'est ça qui nous a vraiment questionnés parce qu'on le faisait quand on dit le peuple, c'est tout le monde, évidemment. Donc, ça va de la marchande de coco à l'étudiant qui veut faire du droit un jour. Et donc, c'est important que cette jeunesse-là, notre jeunesse, soit évidemment au fait d'un texte comme ça, soit au pied ou au-dessus de ce texte-là. Et on a rencontré cet engouement bien plus tard, en fait, dans les générations d'après. Et donc, voilà, on s'est posé ces questions-là de cette jeunesse qui... Comment ? Et c'est pour ça, donc, l'idée de projeter le film partout, sur les murs des cités, le mur, on n'a pas pu le faire entièrement, mais la démarche était celle-là, dans notre plan, c'était que ces paroles, comme ça, soient hirsutes et soient s'étalent et s'inscrivent dans le corps des gens. Des gens passent, vous savez, quand vous projetez ces images-là, donc en grand, sur des murs, ben les gens continuent leur vie. Donc, en fait, ils sont une partie du texte parce que le texte s'écrit presque dans leur corps. Et donc, on imaginait des projections et Véro en organisait une au Marin, là d'où nos parents sont originaires, dans le sud de l'île. Et donc, on imaginait pouvoir répéter comme une performance sans arrêt ce texte-là. Et ça n'a pas pu être le cas totalement. Mais donc, c'est peut-être ça aussi. Mm-hmm. Mais ça reste à faire, hein, puisqu'on sait que c'est universel et que c'est intemporel. Voilà. Donc, mais je crois que c'est ça. C'était comment la jeunesse, peut-être qu'il faudrait revoir, parce que là, ça fait 10 ans, plus de 10 ans quand même. Bientôt 10 ans. Il faudrait peut-être revenir et peut-être voir les plus petits dans les écoles. Les étudiants, peut-être les tout petits. Darlene, et oui. Isabelle, j'ai une autre question pour Darlene et Véronica. Non, c'est, vous avez quand même pris le soin toutes les deux en présentant chaque personne de dire son rapport à la Martinique. Est-ce que ce sont des gens qui ont vécu toute leur vie là, des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus? Pourquoi est-ce que c'était important de nous dire que ces gens-là ne sont jamais partis, il y en a qui sont partis, qui ont passé quelques années à l'extérieur, qui sont revenus. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de nous le faire savoir? Alors, c'était nécessaire parce que c'est bête, hein, mais
Ça s'appelle cahier d'un retour au pays natal. Donc, on parle de migration. On parle d'aller, de venue, de rapport à cette terre, mais en termes de déplacement. Et quand Sévère écrit ce livre, cahier d'un retour au pays natal, il écrit quand il est dans l'exil. Et c'est ça qui va lui permettre de revenir en Martinique et de s'y inscrire dans l'éternité de la Martinique et du monde, finalement. Donc, c'était intéressant de documenter ceux qui parlent, quel est leur rapport au déplacement. Est-ce qu'ils sont déjà partis de l'île? Est-ce qu'ils sont nés à l'extérieur de l'île? Comment pour eux tout ça, comment on peut faire documentaire aussi de ça? Et ces synthés, comme on dit, qu'on a mis en bas, c'était pour dire ça. La Martinique est faite de va et de vient, elle est faite déjà d'un immense vient, massif, imposé, brutal. Et il y a eu après, derrière, tout un tas de petites migrations personnelles ou organisées, comme le Bumidome. Et ça inscrit aussi la Martinique dans une certaine dynamique. Et ça inscrit aussi le texte dans une certaine dynamique et les gens en Martinique dans une dynamique. C'est pour ça que c'était important, s'il fallait documenter, dire quelque chose des gens, ce n'était pas de dire leur âge, ce n'était pas tout ça, c'était de dire d'abord, avant tout, leur rapport au déplacement vis-à-vis de cette île. Eh bien justement, on va passer le dernier et quatrième extrait et on arrive au bout de notre heure, malheureusement, mais on va quand même faire une petite discussion autour de ça. Et voici ceux qui ne se consolent point de n'être pas faits à la ressemblance de Dieu, mais du diable. Ceux qui considèrent que l'on est nègre, comme commis de seconde classe, en attendant mieux et avec possibilité de monter plus haut. Ceux qui battent la chamade devant soi-même. Ceux qui vivent dans un cul de basse force de soi-même. Ceux qui se drapent de pseudomorphose fière. Ceux qui disent à l'Europe, « Voyez, je sais comme vous faire des roubettes. Vous, comme vous, présentez mes hommages. En somme, je ne suis pas différent de vous. Ne faites pas attention à ma peau noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Il y a le Mako nègre, l'Ascari nègre, et tous les zèbres se secouent à leur manière pour faire tomber leurs zébrus en osier de l'effraie. Et au milieu de tout cela, je dis « Oua !» Mon grand-père meurt, je dis « Oua !» La vieille négritude progressivement se cadavérise. Il n'y a pas à dire, c'était un bon nègre. Voilà, merci beaucoup à Fabienne et Véronique Quénor pour ce magnifique moment d'échange. Et un dernier mot avant de partir. Alors, de la part de Véronique, qui est en train déjà de partir, elle m'attend, mais je vous remercie infiniment à tous et à toutes pour ce rendez-vous formidable. On va écouter tout pour pouvoir écouter la parole jusqu'au bout. Histoire Panibout, on le dit, donc ça va continuer, la parole va continuer. Mais merci beaucoup et un grand bonjour à nos sœurs, nos frères d'Haïti. Vraiment, c'est vraiment un grand honneur pour nous d'avoir été présentes aujourd'hui avec ces images, avec ce texte qui fait lien. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci. Merci. Eliezer, donc je te redonne la parole pour le festival. Et on voit, en plus de la migration, ton festival s'appelle En lisant. Et ce documentaire, c'est sur la lecture. Donc, tu peux nous parler un peu de cette démarche spécifique de ton festival. Merci, Elisabeth. On a créé le festival parce qu'on voulait au départ mettre les textes des auteurs en avant. Et on est des comédiens, mais on s'intéresse beaucoup aux textes de théâtre parce que justement, il y a un travail de lecture qui se fait sur les textes. Mais vraiment donner la place aux auteurs de théâtre. Parce que vraiment, en Haïti, les auteurs de théâtre, les pièces de théâtre, les pièces dramatiques, en tout cas, sont vraiment traitées, entre guillemets, en parents pauvres. Donc, on voulait créer un festival qui donne la parole aux nouvelles dramaturgies contemporaines. Oui, merci encore pour ce beau moment d'échange. Darline, je te laisse le mot de la fin.
Merci Elisabeth, merci au Festival en Lisant et à la Focale. Merci de nous faire découvrir ces films. Merci de nous sortir de l'enfermement, de la tentation de l'enfermement que la crise socio-politique que nous vivons est sanitaire. Et donc, c'est pouvoir sortir de là grâce à Mardi d'Or, grâce au festival, c'est une forme de résistance. Et de toutes les façons, nous n'avons pas le choix, nous sommes dans la résistance. En lisant, en visionnant les films et en discutant. Et bien sûr, par rapport à tout ce que Eliezer disait, par rapport à la programmation, aux artistes, ces efforts-là qui sont faits aussi par le secteur culturel pour continuer à fonctionner, à inventer de nouvelles manières, chapeau. Et on vous souhaite vraiment un très, très beau festival. Merci beaucoup. Donc, je rappelle donc que Mardi Doc, c'est chaque mardi et toutes les plateformes qui vont faire partager ce magnifique débat. Donc, d'abord celle de Focal, bien sûr, Mouem, Bureau des droits humains en Haïti, le Centre Open Haïti, le Centre d'art, Star TV, Chocarella, Ticket Magazine, Loop Haïti, Top Haïti, l'association KIT, le camp de débat de Focal, Harold Colander, American Corner, Haïti Demain et Bibliothèque Tap Ouest, Centre culturel Catherine Dunham, CCKD, BMC Bibliothèque Monique Calix. Je voulais remercier à la communication Carl Foster Candio, Maud Malengré, qui est l'initiatrice de Mardi Doc, Mouem TV pour le support technique, ainsi que Patrick Amazan et l'équipe informatique de Focal. Donc, merci infiniment pour ce magnifique moment d'échange. Belle journée à vous et on se retrouve bientôt.